Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Shadow of the Colossus et nous en sommes à l'épisode... Alors attendez, faut pas que je me foire, l'épisode 7, il me semble, et le colosse numéro 10, ça c'est une certitude. Et enfin, ça fait pas mal d'épisodes que je vous en parle, mine de rien. Et ben on va l'affronter, ce serpent, voilà, je savais pas du tout s'il y avait un colosse serpent. Et il est là, voilà, à chaque fois je repoussais, je me disais non mais ça va être un serpent. Et que nenni, donc direction le désert. Alors là ça va être un sacré problème, parce que je pense qu'il va falloir repasser par ici, non? Attendez. Non, je me trompe peut-être pas, je sais pas. Non, ok, stop, j'ai déjà fait une cascade les gars. On va pas faire à chaque fois une nouvelle cascade. Alors, cette fois-ci je ne vais pas couper le trajet, on va y aller calmement, d'accord, pépèrement, à dos de cheval, plus précisément à dos d'agro, bien évidemment. Oui, il faut toujours rouler le R. Ça se prononce agro, ça se prononce pas, il dit pas agro, il dit agro, tu vois ce que je veux dire? Bah les gars, faut rouler le R, hein, voilà, y en a qui ne savent pas rouler le R, voilà, moi c'est vrai que je sais, donc j'en profite, je me la pète un petit peu, j'ai pas peur de ça. Alors, pour revenir à ma chaîne YouTube, je sais que c'est ces derniers jours, donc cette dernière semaine qui est passée, vous avez pas été régalé en vidéo, d'accord, hein, j'ai pas fait une vidéo par jour et j'ai pas... Enfin, j'ai toujours alterné entre Horizon et Shadow of the Colossus, mais je n'ai pas proposé une vidéo par jour, et donc une vidéo de chaque let's play tous les deux jours. Qu'à cela ne tienne, les gars, je pars ce week-end, les gars et les filles bien évidemment, j'avertis tout le monde, je pars ce week-end, mais à mon retour, croyez-moi que ça va être archi fat, tout ce qu'il y a à vous proposer. Pourquoi? Parce que ce mois de mai, va être très riche en sortie avec Far Cry 5 à la fin du mois. Un autre let's play, je préfère pas vous le dire pour le moment, je vous le dirai un petit peu plus tard, qui se déroulera en coop. Et God of War, les gars, God of War. Alors, pour être honnête avec vous, je sais pas si vous êtes prêts à avoir du God of War avec moi. Est-ce que vous voulez du beat'em all? Est-ce que vous voulez qu'on éclate la gueule et qu'on écarte la gueule de personnes, qu'on ouvre en deux des gens? Est-ce que ça vous intéresse de voir le let's play du tout nouveau God of War sur ma chaîne? Si ça ne vous intéresse pas, dites-le en commentaire. Si ça vous intéresse, dites-le aussi, bien évidemment. Waouh! Mec, t'es méga chaud, agro! J'étais pas prêt! J'étais clairement pas prêt. Mais quoi qu'il arrive, tenez-moi au courant, s'il vous plaît. J'aimerais savoir. Voilà. Ne me cachez rien. Attendez, on va essayer. Parce que là, il y aura certainement... Yes! Je crois même l'avoir vu. Bougez pas. Je crois l'avoir vu par ici. Mais c'est peut-être totalement une illusion. Ok. Là. Je l'ai pas vu là? Non. Non, ok, c'est des grains d'herbe ou des ombres qui apparaissent. Peut-être un clipping de l'ombre. Ok, très bien. Il n'y a toujours pas de lézard à queue. C'est bien dommage. Je vérifie une dernière fois. C'est bien dommage parce qu'on m'a dit qu'il traînait vraiment près des hôtels. C'est pas grave. C'est... Eh, les gars, c'est pas grave. Ça sera pas cette vidéo. Ce sera sûrement la vidéo prochaine. Quoi qu'il arrive, on continue. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez du God of War. Alors... Déjà, ce qui est sûr et certain, Far Cry 5, aventure exotique, ça, vous pouvez mettre une croix dans le calendrier, comptez sur moi. Et d'ailleurs, je vais essayer de vous proposer le top du top niveau qualité, à savoir la version PC, bien évidemment. Donc là, c'est sûr. Vous pouvez l'écrire dans votre Pokédex, votre calendrier, sur votre frigo. Rendez-vous pour une aventure exotique incroyable sur Far Cry 5. God of War, je vous le demande. Donc il faut répondre dans cette vidéo. Je vous le demanderai aussi sur Twitter, pourquoi pas. Et un autre let's play, mais qui lui sera en coop. Je garde la surprise, mais quoi qu'il arrive, vous l'aurez compris, le mois de mars, et plus particulièrement la fin mars, va être vraiment, vraiment, vraiment chargé. Là, les gars, les plaines sont immenses. Alors, vide, je vois arriver à 4 km, encore une fois, mais je vous le dirai à chaque épisode. On en est à l'épisode 7, j'ai pas envie de me tromper. Certes vide, mais remettez-vous il y a 13 ans sur PS2. Si ça c'était pas incroyable il y a 13 ans sur PS2, je sais pas ce qu'il vous faut les mecs. Et là, honnêtement, c'est toujours aussi incroyable. Alors évidemment, ils ont refait les graphismes, la résolution et tout. Pourquoi il fait que de me suivre? Il me stresse à me suivre comme ça. Je sais pas où il est ce serpent.
Mais en tout cas, attention, j'aurais mérité... Il va prendre ce qu'il mérite. Il va prendre ce qu'il mérite. Ok, c'est de plus en plus éloigné des colosses. Mais là, lui, les gars... Attendez. Stop, non, c'est pas par ici. Yeah, sûrement par ici. Mais oui, peut-être. C'est terrible. C'est des plaines juges gigantesques. Moi, en fait, ce qui m'intrigue aussi, c'est me dire... Où est le village de ce mec? Où est la ville, le village, ce que vous voulez? Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'intrigue. Je me dis, comment des plaines aussi grandes peuvent ne pas être exploitées par l'homme? Aussi bien pour son bois, etc., etc. Ok, ça doit être redouté à cause des colosses, mais quand même, je me pose pas mal de questions. Je vous avoue. Ok, c'est parfait. Ah, vous avez vu? Encore un autre hôtel. Encore un autre hôtel. Ça, c'est très intéressant. Agro, attends-moi là, frérot, s'il te plaît. Encore un autre hôtel. Et qui dit hôtel dit peut-être. Lézard, je ne le vois pas. Je vois aucun lézard. C'est assez terrible. Je vois un lézard. Je vois un lézard, je crois. Non, c'est un caillou. Je me suis fait brain. Je me suis fait totalement brain. Ça, c'est terrible. Ah merde. Oh les coups durs. Deuxième échec qu'on est celui-là, les gars. Ah, c'était... Mais il est où ce bordel là? Il est où ce merdier? Il est encore là-bas. Ok, on cavale. Je vais appeler le frérot. J'espère qu'il va débarquer comme Jaja. Alors... Voilà, il est là le frérot. Ah! Il me roule pas dessus. Ouais, ouais, j'ai dit roue. Je l'ai équipé de nouvelles roues motrices qui permettent de rouler sur les adversaires. Ok, on va passer par ici. Je pense que c'est par ici. Ok, en tout cas, pas là-dedans. Ouais, c'est par là. J'en suis quasi sûr. Là, ça sent le désert. Là, ça sent le désert et ça sent le serpent. C'est moi qui vous le dis, les gars. Je connais bien. Putain, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Oh ouais, ça c'est un... Oh là là, oui, c'est par ici. Alors là, les gars, c'est bon. On y est. C'est de plus en plus blanc, bleu, tout ce que tu veux. Ça, c'est très très beau. Je sais pas d'où il va sortir. C'est là. Il sort direct. Ça risque d'être terrible. Ok. Donc il faut que je m'accroche sur son dos. Très bien. Il a pas l'air bien long. Ok. Ouais, dis-moi en plus bébé. Ouais. Il a pas l'air bien grand. Mais dans le sable, je ne survivrai pas. Ok. Alors, si on doit faire une analyse, il y a des pierres. Ok. Il y a des grands piliers. On essaye de tout regarder. Il y a plein de piliers. Tout autour. Ok. Waouh. Ok. On essaye de l'observer, les gars. Ok, il fait... Ah ouais, il sort super vite de terre. Oh putain, c'est terrible. Ok, 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 ok. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Très bien. Ça va pas être évident. Ça va pas être évident du tout. Aïe! Quoi? Il m'a mis le HP tellement vite. Je me demande s'il faut pas sauter de mon cheval en plein dans sa gueule. Je vous avoue que je ne sais pas trop. On va observer. Je vois pas du tout où il peut être. Où il arrive? Il arrive. Ok, il arrive. Ok, il est impressionnant. Il m'a fait tomber, je ne sais pas pourquoi. Je suis mort. Waouh! Ok, je pense qu'il faut que je saute du cheval. Très clairement, je pense qu'il faut sauter du cheval. Ok, on va retourner sur son cheval, sur mon cheval d'ailleurs. Oui, c'est le mien, c'est pas le sien. Ça risque d'être compliqué cette histoire. Ça risque d'être pire compliqué. Les gars, c'est du one shot quasi. Si je suis à côté, il m'arrache. Je pense qu'il faut être sur cheval. Mais non, mais là tu sautes bien aussi. C'est très bizarre. Ok, on va passer. On va passer. Très bien. Je pense qu'il faut être sur le cheval.
Peut-être pas, on verra, on essaye. Ok. Allez, 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 allez. J'ai pas. J'ai pas réussi. Je... Ah, bouge pas, là, gros. Il a pris ce qu'il méritait. Je suis déjà mis d'HP, c'est terrible. Hein. En fait, c'est... j'avais raison, je pense avoir. Attendez, attendez, attendez. Attendez, parce que ça, ça m'intrigue la situation là, finalement. J'ai l'impression d'y voir des points d'accroche. Non, 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 non. L'erreur est de penser qu'il y a des points d'accroche. Comment je peux faire? C'est bizarre parce que là, il y a de la lumière. Pourquoi il y aurait de la lumière par ici? Ouah. Je vois plus rien, c'est terrible. Je suis totalement mort dans le film, je pense. C'est très bizarre. Alors, j'ai peut-être ma petite idée. Ok, je vais attendre qu'il sorte et on va l'agresser, d'accord? Étant donné que je sais pas du tout. Pas mal ça. C'est pas mal! Dommage! Dommage! Il a pris le mur! Allez, on est reparti! Je vous avoue que là, je me pose plein de questions. Je me dis, waouh, il est très classe. Mais comment faire? Comment faire? Comment faire? Comment faire? Là, là, il y a une zone de lumière. Ok. Il est énorme, il est énorme. Ok. Il crée du sable, très bien. J'ai bien ma petite idée, mais c'est pas possible, ça va me repousser en fait. Ça va me repousser. Je vois pas là. Là réellement les gars, je suis en interrogation perpétuelle. Je suis dans le sable en plus d'être en interrogation. Eh les gars, je peux revenir? Vache. Là je vois pas du tout. J'ai essayé le face à face. Qu'est-ce que ça peut être? Là clairement. Je pense que c'est avec le cheval. Hein. Je pense que c'est avec le cheval. Faut que j'arrive à le faire sortir d'ici. Ok. Je me pose tellement de questions. Là, je suis en phase d'interrogation, les gars. J'essaye de comprendre. Parce qu'une fois sur son dos, il retombe dans le sable, en fait. Non, si j'avance, je pense que je mérite. Je comprends pas, je comprends pas. Vos jambes ne suffiront pas à vous éloigner du danger. Vos jambes ne suffiront pas à vous éloigner du danger. J'ai bien compris. Il faut mon cheval. Ok. Il faut que je joue avec aggro. Mais alors à quoi? Non, 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 frérot. Pas le con. Moi je pense que, tu vois, il faut que je tourne autour de ça. Dommage. Dommage, dommage, l'idée était pas mauvaise. Moi, je pense que c'est ça. Je pense clairement que c'est ça. Et c'était ma toute première idée. Si c'est ça, c'est du génie. C'est du génie, mais à la fois un petit peu stupide, étant donné que j'aurais pu le faire dès le début. Ok, c'est ça. Faut juste enculer tous les trucs de pierre. Oh, bordel. Je suis mort dans le film. Désolé pour la caméra. C'est pas moi qui décide. Ok, c'est ça. C'est bon, je cherchais une pierre. Ah putain, d'accord. Yes, ok.
Oh, j'ai chaud. Ok, c'est ça, c'est ça. C'est pas les pierres, c'est pas les pierres. Waouh. Il est con. Ok, on y va. Fallait juste l'aveugler. Il est où? Allez. Allez, allez, allez. 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 Trois fois, c'est pas mal. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, viens, on est reparti. On est reparti, c'est bon, on a trouvé, on a trouvé. Pas compliqué, mais il faut le faire. Bon, on est reparti. T'es où, mon frérot? C'est pas mal, j'aime bien l'idée. Cette fois-ci, on utilise enfin un glow. Ouais, encore une fois, je roule le R. Je sais que je vous vois rager. Si vous êtes là, vous essayez de rouler le R. Aïe, 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 non, 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 il a mangé le pilier, son... Je pense. Allez, 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 abuse pas, frérot. On est bon. Et 2-1. Allez, 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 allez. Et 2-2. Et c'est terminé pour lui. C'est terminé pour le colosse numéro 10. Bien joué, il était vraiment sympa. Vidéo très courte, mais colosse très cool. M'a tout l'air de cracher du feu, les amis. On verra ça lors du prochain épisode. Cet épisode était certes court encore une fois, mais au moins vous aurez la suite dès demain et ça me permet de faire deux montages. C'est plutôt cool vu que ce week-end, si vous avez bien écouté, je ne suis pas là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la suite de notre aventure. Bisous, bisous.